question. Ah, bonjour, je m'appelle Boris. D'accord, tu t'appelles Boris. Et qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Une 208 féline. Une 208 féline. Voilà, trois portes. Qu'est-ce que tu appelles féline? C'est la finition? Ouais, c'est la finition féline, voilà. D'accord. Voilà, c'est la haute gamme de chez Peugeot. J'ai tous les options dessus, donc. Puis voilà. Parle un peu plus fort, juste. Ah, parce que les gens. Comment? Ah, c'est par rapport aux gens. Ah, d'accord, oui. Et voilà, puis je suis tombé, j'aime bien le design de la voiture. Ouais. Donc j'ai eu un coup de cœur dessus. Et puis voilà, j'ai fait quelques modifs dessus. T'as fait quoi comme modif? Je l'ai rabaissé, jante Japan Racing. Ouais. C'est quel Japan Racing? Les J11. J11. D'accord. Voilà. Ah, c'est les concaves. La concave, là. Là, ouais. Je suis en 9 à l'arrière et en 8,5 à l'avant. D'accord. J'ai changé le diffuseur d'origine, j'en ai mis un autre, un peu plus. Sport, on va dire. Ouais, un peu plus typé sport, voilà, le diffuseur, quoi. Voilà. Ouais. Puis j'ai supprimé mon silencieux. J'ai mis un tube à la place. Inox. Un tube? Ouais, un tube inox. D'accord. Parce que je suis en avant-arrière? Ouais, je suis en full tube tout le long. Full tube, tout le long, d'accord. Full tube, voilà. T'as pas de problème avec le turbo du coup? Non. Franchement, non, ça j'ai aucun souci, j'ai pas de voyant, j'ai rien. Non, elle tourne bien. Voilà quoi. Ah, ok. Voilà. Tu montes l'intérieur vite fait? Ça craint quoi. C'est bon, ça tient. Ouais, non, vrai, ça tenait. Ah. Ça tenait et tu touches pas. Si ça touche. Ouais, bon. Ah, ça touche. Oui, je vais tenir. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est les sièges quoi ça? Ça, c'est les sièges en cuir, bah full cuir quoi. Ouais, c'est pour ça que t'as mis une serviette. Ouais, voilà, pour pas user. Voilà. Ouais, non, mais les cuirs Peugeot, on ouais, les connaît. Voilà, c'est voilà. Ça le problème avec les cuirs Peugeot. Ouais. Voilà. Ouais, sympathique l'intérieur, sympathique. Puis j'ai un toit panoramique. Ah ouais, voilà, ouais, j'avais pas vu. Toit panoramique. Sympa. Voilà. Après, voilà, j'ai un petit volant, c'est juste bien pour la voiture. Un petit volant, ça passe bien. Ouais, bon, on va aller regarder de l'autre côté le volant. Ouais. Voilà. Bon, désolé pour la poussière, mais. Ouais, pas ça après. Voilà. C'est le lot de tout. Ouais, monde. Voilà. Ah, t'as aussi l'écran au milieu là. Ouais. Parce que j'ai fait une 308 GTI avant, quasiment le même intérieur. Ouais, c'est le même. C'est juste le volant qui change après. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dessus encore? Je vais changer de jante là en mois de juin. Ah ouais, tu vas mettre quoi? Je vais mettre des JR21 en bronze. JR21 c'est lesquels les JR21? C'est les mêmes que ceux-là. Ouais. Mais tu enlèves des branches dessus. Ah ouais, d'accord. Mêmes, voilà. Ouais, je vois. À l'arrière, j'aurai plus du concave. Encore plus concave à l'arrière. Voilà. D'accord. Et à l'avant, ce sera en même. À l'arrière, je serai en 9,5 à l'arrière et en 8,5 à l'avant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bah, tu vas gagner à demi partout quoi en gros. Voilà ouais. D'accord. Et au mois de juin, bah, elle va passer en peinture. En peinture, peinture. Juin, après, je sais pas si tu vois la différence de teinte entre là et là. Je sais pas si tu vois. Bah là de toute façon, avec la caméra on verra pas, mais non, on voit pas de différence. Ouais. Voilà, du coup, elle sera peinte la même couleur que le pare-choc. D'accord. Et au niveau du toit panoramique, je vais faire en une bande noire entre mon toit panoramique et mon béquet. Faire ça en une bande noire. Noir. Tu vas faire ça où? Ici là. Entre là et là. Ah ouais, pour le prolonger en gros. Voilà. Ouais. En noir. Ok. Et puis là, aussi là en noir. C'est marqué Peugeot. Ouais, le passage de porte. Ouais. Ok. En noir. Et puis, peut-être la console centrale aussi, de la faire en ton caisse aussi. Mmh. Bon, ça c'est. Voilà. C'est prévu, mais ça, pas pour tout de suite. Et puis, on va dire le plus gros effet dessus, on va dire. D'accord. Là, j'ai mis une dump, une dumble. Ouais. C'est quoi? Forge. Okay. Ah, j'ai mis c'est tout, une boîte à air aussi. Boîte à air? Ouais. De quoi? BMC? Ouais, BMC, ouais. BMC, ouais, okay. Ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Bah, si tu veux me montrer le moteur, ouais, je sais pas. Aussi, ouais. Comme ça, on voit en image. Hein. Ouais, je te laisse ouvrir. Tu l'as décyclé à l'avant? Ouais. Et même à l'arrière. Là, j'ai pas fait gaffe à l'arrière. Ah. Ah ouais, forge quoi. Voilà. Oui, je vois. Forge, tubulure inox en forge et la botère BMC. Ah, tu l'as bien mise là. Ouais. Oh, et elle passe tout juste. Hein. Ah bah ouais, j'imagine. Ouais. Et tout juste. Hein. Ah ouais, bah ouais. Voilà. Putain, c'est monté propre quand même. Ah ouais, c'est. Ouais. Après ça, je me dis à mon pote qui me le coupe pour que ça fasse plus propre. Tu vois.
Ah ouais, t'as pas de support. Ouais, voilà. C'est con. Donc, ouais. C'est con que t'aies pas de support. Ouais. Et donc là, il va me le couper, et puis là, il va mettre une petite vis noire pour faire plus propre. Sinon, au pire, il aurait pu te le décaler, hein. Ah mais c'est non, il peut pas. Ah ouais. Non, c'est impossible, non. Ah ok. Ah. Ok. Puis peut-être que bientôt je ferai une petite peinture au niveau du bloc moteur. Une petite peinture. Ouais, peut-être la même couleur que la voiture ou. Ouais, ton caisse quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Puis avec le nom du garage, RP2M. Ouais, parce que c'est eux qui te font tout. Ouais, c'est eux, voilà. Ouais, et ils sont où alors, RP2M? Ils sont à Pontoise-la-Chétive, à Marly. À Marly. D'accord. Voilà. Ah et puis ils travaillent vraiment nickel. Voilà. Quand tu apprends aux gens en tête, ils savent ce que tu veux faire dessus. Ah, franchement, j'ai aucun souci. Ils travaillent vraiment bien. Quoi. Ouais, j'en ai aussi entendu du bien. Ah, ouais, c'est. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, oui, pour finir, est-ce que tu aurais un réseau social où on peut te suivre? Boris Schmidt. Sur Facebook, donc. Sur Facebook. Ok, d'accord. Voilà. Dès qu'elle me diff, je les mets généralement dessus sur mon statut, quoi. D'accord, bah j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo. Voilà. Hein, comme ça, ce sera bon pour les personnes qui veulent te suivre et suivre l'évolution de ta bête. Ouais, y a pas de. Bon, après une bête, pas vraiment. Mais bah, elle sort combien? Elle a, avec les pièces que j'ai mis dessus, peut-être 160. 160, bah c'est déjà pas mal pour une non GTI entre guillemets. Ouais, c'est non GTI. Bah après, il y en a plein qui me disent que c'est une non. Plein. Ouais, bah oui. Et je dis non, c'est pas une GTI. Ah, mais en fait, t'as le même moteur que les 207 RC en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que c'est le même, ouais. Même moteur, voilà. C'est le même bloc que les 207 RC. Ouais. Ça se voit, hein. Ouais, ouais. Ok. Voilà, ouais. Bah, c'est tip top, quoi. Moi, je te remercie. Et puis, De rien. À la prochaine. À la prochaine.